La vie et la triste fin de Lee Hacker. Lee William Hacker est né le 25 septembre 1943. C'était un enfant acteur, producteur, menuisier et moniteur de ski américain, connu pour son apparition sous le rôle de Rusty dans de la Bee Company dans la série télévisée des années 50, Les Aventures de Rintintin. Il fut le dernier acteur survivant de cette série. En 1952, Lee Hacker apparaît dans Desperate Search avec Howard Keel et Keenan Wynn. La mère d'Hacker, Madame Miles Wilbur, était propriétaire d'une école de danse à Los Angeles. Un témoin déclare qu'elle dirigeait une académie de théâtre pour enfants et que lorsque Hacker avait 4 ans, elle le fit chanter et danser dans des clubs locaux. Il commence à la télévision jeune, apparaissant à l'âge de 8 ans dans des films tels que The Greatest Show on Earth en 1952 et High Noon. Il est rapidement passé au statut de vedette à la fin de cette année-là. Il a montré ses talents d'interprète dans son rôle de chef peau-rouge indien kidnappé dans une scène du film Henry's Full House et dans le rôle du fils du scientifique Gene Barry, victime d'enlèvement dans The Atomic City. En 1953, il a joué dans le rôle du curieux fils blond de la fermière Geraldine Page dans le western de John Wayne, Hondo. Il est également apparu dans d'autres styles de films tels que le thriller Jeopardy avec Barbara Stanwyck, l'opéra équestre Arena avec Gig Young et les comédies Mr. Scoutmaster avec Clifton Webb et Ricochet Romance avec Marjorie Main. En 1953-54, il faisait partie des nombreux enfants acteurs ayant auditionné pour le rôle de Jeff Miller dans la série originale Lassie, qui sera ensuite diffusée sous le nom de Jeff Scully. Mais le rôle est allé à Tommy Rettig. 2 semaines plus tard, Hacker a remporté le rôle de Rusty dans Les Aventures de Rintintin avec James Brown, 1920-1992, dans le rôle du sergent Ripley Ripmasters. Hacker et Rettig étaient amis et les deux programmes étaient populaires auprès du public. Les deux acteurs et leurs deux chiens vedettes sont apparus ensemble dans une photographie utilisée en couverture du numéro du 2 juillet 1955 du TV Guide. Hacker a déclaré à un journaliste que lorsqu'il a atteint l'âge de 21 ans, il a reçu une somme forfaitaire de 10 000 euros, qui équivaudrait à 83 000 euros en 2020, par le studio qui a produit Rintintin, et qu'il a passé le reste des années 60 à voyager à travers le monde comme une sorte de hippie. Incapable de trouver du travail d'acteur en tant qu'acteur adulte, il s'est d'abord essayé en tant que producteur et a ensuite travaillé comme menuisier. Du côté de sa vie personnelle, à la fin des années 60, il était marié à Sharon Ann Hamilton pendant 2 ans. Il a résidé à Mammoth Lake, en Californie, pendant de nombreuses années et a été le premier instructeur de sport adapté pour Disable Sports Eastern Sierra à Mammoth Mountain. Selon Paul Peterson, un défenseur des anciens enfants acteurs, Hacker a connu la pauvreté vers la fin de sa vie et a également lutté contre la toxicomanie. Malheureusement, Peterson a déclaré qu'Hacker était décédé près de Mesa, en Arizona, le 1er avril 2021, et figurait sur la liste des décédés indigents. Peterson organisa l'enterrement d'Hacker. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Hacker. Qu'avez-vous pensé de sa vie? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section commentaires et discutons-en. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la ou partagez-la.